Oh, oh, yeah, oh, yeah. Oh. Et maintenant que le son tourne, je trouve que ça pète, truc de fou. Les gens autour de moi bougent la tête, brisent leur cou. Les idées germent dans ma tête, tout d'un coup je me dis pourquoi pas faire le simple constat 5 sur le fou. À l'heure où les MC jouent des coudes pour la première place, ou beaucoup pour le coup sans doute se seront relégables. Avec ma rime, mes phases, j'ai la formation parfaite pour décrocher la Victoria à la David Beckham. En deux mesures je peux t'achever parce que mes chants sont speed. De plus tu n'es qu'en PHB, je joue en Champions League. On a un niveau terrible en rime, tu veux tester? C'est hilarant, tellement marrant que même Thierry Henry. Ils nous prenaient pour des débutants, mes babales au piège. J'ai de quoi les rendre baba baba. J'ai les babalotés, sous-estimé car pas connu. J'trouve pas ça super, faut pas se fier au nom. Parce que face à caca, tu n'es qu'une merde. Big up à tous nos supporters qui n'ont jamais lâché. À ceux qui ont changé d'avis, ouais, les fans de l'après. Mais je ferai remarquer que les vrais connaisseurs sont ceux qui, avant la Coupe du Monde, ont aimé Jacquet. Le foot est une religion, j'dis ça parce que l'on est tous en admiration devant le Messi barcelonais. Et Samuel Eto'o, face à nous, les plus vantards, ont tous fini sur les brancards. Et Samuel Eto'o se resserre quand je rime, frère. C'est l'hystérie, j'ai pas vu plus hardcore. Ribéry, pourquoi s'obstiner, c'est bonnard? Je t'explique, à quoi bon flipper quand on a Eric dans son équipe. Avoue que c'est triste, ça non? Dans le foot, y'a trop d'euros, regarde le salaire de Ronaldo ou de Cristiano. Une trousse de prodochets, des insultes aux clochards pour avoir fait de beaux crochets ou de belles feintes à la Okocha. Tu vois le schéma? Pendant que je manie la rime, le petit Karim roule en Mercedes Benz et moi, je reste ce mec toujours OP. Pour sa clique, j'écris mes textes en conduisant dans mon Opel Corsa grise. Incomparable riche du Qatar, j'ai pas la thune à Zlatan ni celle d'Abrahamovic. Compare pas les charrettes solides de bolide, le coup de tête de Zidane n'égalera jamais celui de bolide. Plus trop traîner, rêver de sale Rolex et faire du son, j'aurais préféré être entraîné par Sir Alex Ferguson. Je vois d'ici ce qu'il faudrait refaire, aller au charbon sans faire de blabla. En gros, retrousser ses Manchester. J'aurais été artiste qu'on admire comme Samir, un joueur sans pression qui sous la menacerie. Numéro 10, charge en... J'aurais renforcé mon arsenal comme fait Wenger avec Archavin. Crois pas que je dis va gros. Mais maintenant, j'ai décidé que je n'avais plus de concurrent, non pas de Rivaldo. Rien avant, comme Ronaldinho, je veux que mon talent soit reconnu un peu de partout, de Romario jusqu'au Comor. Fallait bien, on va pas reprocher à Michael de représenter les siens. De plus, les mythos ne m'arrêtent pas. Je reviens deux fois plus fort après les critiques comme Nicolas Anelka. Je rends hommage avec humour à cette discipline qui réunit les blancs, les noirs de Gourcu. Fagufour, j'envoie des bastos. J'préfère prévenir, ne jamais se mettre dans le mur. Surtout si c'est Djibril qui tire. Dans le public, sa gueule, les boss démissionnent. J'ai la technique insolente, un peu comme Chris Waddle et Denison. Pas que ce soit simple, mais c'est tout comme. Suffit d'une panenka pour transformer le meilleur gardien du monde en bouffon. Yeah. Suffit d'une panenka pour transformer le meilleur gardien du monde en bouffon. Simple constat. Quand je dis que ça vient de Marseille, t'en as les dents qui grincent. Pourtant je m'en bats les reins, je touche pas un cent. En cas de victoire au Parc des Princes, yeah. Bats les reins. Aïe 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 aïe.